Précédemment, dans The Walking Dead, AJ et moi avons cherché pendant longtemps un endroit qui pourrait être notre foyer. Et quand nous pensions avoir trouvé de la nourriture, ça s'est avéré être un piège. Tout aurait pu s'arrêter là. Mais j'ai repris connaissance. Et puis, j'ai été sauvée par un gars appelé Marlon. C'était le chef d'une communauté vivant dans une ancienne école. C'était notre chance d'avoir un foyer. Un vrai foyer. On a dû retourner à la gare pour voir si l'explosion avait épargné de la nourriture. Mais quelqu'un d'autre avait eu la même idée. Je ne voulais pas prendre de risques. Je l'ai laissé prendre de la nourriture et partir. Cette nuit-là, j'ai vu Marlon et Brody se disputer au sujet de l'homme que nous avions vu. J'ai compris pourquoi Brody était effrayé. Il faisait partie d'un groupe de pilleurs qu'ils avaient connu il y a un an. En échange de sa sécurité, Marlon leur avait livré les sœurs de Tennessee. Il a attaqué Brody et m'a enfermé au sous-sol avec elle. Quand elle s'est transformée, j'ai dû l'arrêter. Marlon a volé le pistolet d'AJ et a essayé de les convaincre que j'avais tué Brody. Louis m'a soutenue. Avec tout le monde à dos, il a décidé d'arrêter de se battre. Je lui ai dit qu'il pouvait rester, mais qu'il ne serait plus chef. Mais ensuite... Marlon était mort. AJ a appuyé sur la détente. Il s'est souvenu de ce que je lui ai appris. Toujours viser la tête. Je t'ai fait du café. C'était dans la cuisine. Ted m'a dit que je pouvais. J'ai rien volé. Ça m'étonne que tu n'aies pas oublié. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de café. Il faut mettre de l'eau chaude. Tu as raison. Merci. La nuit dernière, avec Marlon... J'ai entendu ce que Louis a dit sur moi. Je suis un meurtrier. Non! Oh putain! Merde! On peut prendre des médicaments! À l'infirmerie! Il est mort! Le gamin l'a descendu! Tu l'as buté! Il est mort! Espèce de meurtrier! Tu lui avais promis! Tu lui as dit que tu l'aiderais! Qu'est-ce que t'as appris à ce gosse, putain? Louis a dit que j'étais un meurtrier. Mais on est censé tuer les méchants. Les monstres. J'ai pas fait comme il faut. Marlon, il était méchant. Il a tué Brody et... Louis n'a pas tort. Les gens font parfois de mauvaises choses, comme Marlon. Mais quand tu as tiré, il ne représentait plus de menace. Si tu tues quelqu'un qui ne te menace pas, c'est ce qu'on appelle un meurtre. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, reculez tous! Tout était sous contrôle! J'avais calmé Marlon et puis... Il a buté mon pote, putain! Ramène AJ à l'intérieur. Allez, on y va. Ah! Et on les laisse rentrer tranquillement! Il se passe quoi la prochaine fois? Qu'un truc ne plaît pas aux gosses, hein? On se prend une balle, nous aussi? Ça s'est pas passé comme ça. Mais bien sûr que si, putain!
C'était fini. Jusqu'à ce que Monsieur Cachette en décide autrement. Il n'avait pas à lui tirer une balle en pleine tête. C'était fini. On sait, Louis. Alors laisse tomber, ok? Laisse tomber? Sérieux? On y va. Clem. Clem. Si je suis un meurtrier, je dois mourir. Quoi? Non. Bah, les meurtriers sont comme des monstres et... je sais ce qui arrive aux monstres. Rien de bon. Rien de bon du tout. On leur pardonne parfois. Même les meurtriers et certains monstres ont droit à une seconde chance. Certains monstres. Pas tous. Quand les méchants, comme les meurtriers, font de leur mieux pour devenir meilleurs, les autres leur pardonnent. Ça a l'air difficile. Ça l'est. On va arranger les choses, toi et moi. Je vais t'aider à te racheter. Me racheter? Ça veut dire réparer le mal qu'on a fait. On va tout remettre en ordre avec les autres. Je vous en supplie, que quelqu'un vienne m'aider! Il te sauve d'un accident et en échange, toi, tu le butes! Dégage, Mitch! Allez, dégage! Ou sinon... il va me descendre, moi aussi! C'est qui, le prochain? Asim? Willy? Ça fait assez de morts pour ce soir, non? Brody? Marlon? On doit arrêter de s'entretuer! Merde! Comment t'oses me dire un truc pareil après ce qu'il a fait? Allez vous faire foutre! Hey, qu'est-ce qui va pas? Tu as tué beaucoup de gens. T'as tué ton ami Lee, n'est-ce pas? Quoi? T'as dit qu'il était menotté. Il était pas menaçant. Ça veut dire que c'était un meurtre. Je l'ai tué parce que je l'aimais. Je voulais pas qu'il souffre. Comment? Il serait mort. Il se serait transformé. Je voulais pas. Il méritait mieux que ça. Je t'aime, Clem. Moi aussi, je t'aime. Salut. Violette m'a dit de venir vous chercher pour l'enterrement. Vraiment? Avant, on avait l'habitude d'en faire, et on a arrêté. C'est une bonne chose. J'ai un truc pour toi. Pour moi? Avec ce qui se passe, je me suis dit que tu devais avoir peur. T'as été courageux la nuit dernière, comme un pompier. Non, les pompiers sont gentils. Je suis un meurtrier. Non, c'est faux. D'abord, tu vas avoir un procès. Ils décident de ça dans un tribunal. Ça fonctionne comme ça. Enfin, fonctionnait avant. Avant, il y avait toutes sortes de règles. Qui était innocent, qui était coupable. Maintenant, c'est à nous de prendre nos propres décisions. On peut plus compter sur qui que ce soit d'autre pour établir les règles. Mais qui a dit que t'étais un meurtrier? Clem. Mais elle a raison. Et les autres aussi. Moi, je te trouve sympa. T'es sûr que tu veux pas ton pompier? Tu devrais le garder parce que t'es gentil, comme lui. On pourra peut-être jouer avec lui après. Tous les deux. Bien sûr. Après l'enterrement. Ils sont déjà sous terre. Ça commencera bientôt. On se voit là-bas. Va pas être facile. Ils seront bouleversés. Il faut leur montrer que ça nous touche. Ok? D'accord. C'est l'heure? Bientôt. Prêt?
fait ça. Mais je ne sais pas si ça ira. Si, très bien. Brody les aurait adorés. Tu te rappelles comment on fait? Faut parler, mettre les fleurs sur le pied, chanter. C'est moi qui ai fait ça. Et c'est tout. Si t'as une meilleure idée, que j'aime pas. Arrête. Ils seront pas là. Ouais, Marlon et Brody étaient leurs amis aussi. Putain, fais chier. Concentrons-nous sur ce qu'on a à faire. D'accord? Ils sont là. Et alors? Ils connaissaient Brody, non? Ouais, mais Marlon... Fiche-leur la paix. Merde. Clem? Quoi? Pourquoi on fait des funérailles? Den disait qu'on en faisait plus avant. Mais je comprends pas. Eh bien, pour dire au revoir à ceux qu'on a perdus. Mais ils sont morts. C'est l'occasion de les voir une dernière fois avant qu'ils s'en aillent pour toujours. Ils sont tristes à cause de moi. Je serais triste sans toi. Et tout le monde y a droit. Tout le monde. Les animaux, des fois. L'impression que tout était possible. Même les monstres. Je sais pas comment elle faisait. Je suis toujours aussi radieuse. Marlon a fait du mal, mais ce n'était pas un monstre. Je sais. Den, t'es prêt? Brody, tu disais que tu voulais voir la mer. Alors, je l'ai dessinée pour toi. Marlon était... Je peux pas. Pas pour Marlon. Pas après ce qu'il a fait aux jumelles et Brody, je... Tu l'aimais pas, Brody. T'étais toujours méchante avec elle. Je peux pas. Que quelqu'un s'en occupe. Putain! Mec, fais pas ça. Sérieux, Louis? C'était ton meilleur ami. C'était pas un ange, mais il méritait mieux que de se faire descendre par ce gamin. Il lui a tiré dessus comme un chien. On l'a tous vu, mais personne n'a rien fait. T'as raison, Mitch. Marlon n'a pas mérité d'être tué par AJ. Je sais ce que j'ai fait. Désolée. Je sais que j'ai fait un crime. Mais je vais me... Racheter. Ouais, me racheter. Merde. Marre de ces conneries. J'ai fait une bêtise, mais je vais me faire pardonner, c'est promis. Pas besoin de faire l'innocent. Marlon était un putain de meurtrier, un menteur. Et si on s'était un peu plus intéressé à ce qui est arrivé à Minnie et Sophie l'an dernier, rien de tout ça serait arrivé. Elle a pas tort. La ferme! C'était pas de sa faute! Alors la faute à qui? Peu importe ce qu'a fait Marlon, AJ n'avait pas à le tuer. Ouais, il faisait de mal à personne quand je l'ai tué. Tu vois ce que je veux dire? Comment on pourrait leur faire confiance? Tu veux dire quoi? Je dis qu'ils doivent se tirer d'ici. On va voter. La majorité l'emporte. Ils restent ou ils partent. Aujourd'hui. Ça me paraît juste. Vous êtes sérieux? C'est des conneries. C'est toi la connerie. S'il vous plaît, faites pas ça. Je sais que t'es en colère, mais on... Tu sais que dalle! Sinon t'aurais empêché AJ de faire ça. Toi, t'as empêché Marlon de tuer Brody? Putain d'hypocrite! On est obligé de voter ou sinon on va s'engueuler pendant des heures. Bon. J'imagine qu'on n'a plus qu'à voter. Louis doit voter. Tu peux aller le chercher et essaie de lui parler. Allez, Rosie. Viens là, ma belle. Vous voulez bien aller dans le dortoir? Je viendrai vous chercher. Ne nous mettez pas dehors. Allez, on y va.
Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't know the reason why, so I guess I'll keep gambling lots of moves and lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around to die. Je sais que c'était mal, mais ils veulent pas m'écouter. AJ, respire. Souviens-toi, on fait quoi quand on est en colère? Allez, tu veux pas faire trop de bruit, hein? On fait quoi quand on est en colère? On arrête, on réfléchit, et... Je suis encore très très fâchée. Je sais que je devrais pas m'énerver. On doit apprendre à gérer tes émotions. Pour les contrôler. Je sais, pour ne pas faire d'erreur. Exactement. On arrête, on réfléchit et on respire. On respire. C'est mieux. Toujours en colère, hein? Et je crois que je suis triste aussi. J'ai fait comme tu m'as dit. Je sais, tu es très attentif. Je voulais faire en sorte que ça aille mieux. Ça a pas marché. Pourquoi tu m'as dit de faire ça si ça a pas marché? On pouvait pas savoir, AJ. Ils auraient pu voter pour qu'on reste. Je sais pas. Ils avaient l'air très fâchés. Violette était de notre côté. Elle les convaincra peut-être. Ouais, peut-être. Je veux pas partir. Je sais bien. J'aime savoir où on est à tout moment. Avoir un lit, de la nourriture. J'aime bien les autres. Enfin, pas tous, mais Ten, Louis et Violette. On a voté. Vous devez partir. On vote pas, nous. Je vote pour rester. Ça marche pas comme ça. Ce serait peut-être mieux. T'es pas obligé d'approuver. Tant mieux, j'approuve pas. J'en reviens pas. Vous êtes de vrais tarés. Après tout ce que Marlon a fait, les mensonges qu'il t'a dit. C'est ça ta réaction? Nous dégager parce qu'on s'est retrouvés mêlés à ces conneries? Marlon a baissé son arme et ensuite AJ l'a buté. Comment on pourrait vivre avec vous après ce qu'il a fait? Comment vous faire confiance? Mais quelle merde! T'as dit que t'accepterais la décision du vote. C'est n'importe quoi. Et tu t'en rendrais compte si seulement t'arrêtais de te voiler la face. Oh, c'est moi qui me voile la face? Déteste Marlon si ça te chante, mais ne dis pas qu'AJ est inoffensif. Quand vous serez prêt, on vous escortera jusqu'à la limite de la zone de sûreté. On va faire en sorte que vous partiez sans encombre. C'est pas grand-chose, mais au moins vous mourrez pas sur la route. C'est gentil de faire en sorte qu'on... Non, ne les remercie pas! C'est...
C'est de leur faute. Si on doit partir, ils se débarrassent de nous. Arrange-toi pour le contrôler. AJ, respire. Il est où, Ten? Je dois lui dire au revoir. Le vote l'a beaucoup contrarié. Il veut parler à personne. Je pense qu'il vaut mieux le laisser tranquille, là. Mais si tu veux savoir, il voulait que vous restiez. Attends. AJ a toujours le flingue. Donne-le-moi. C'est vraiment nécessaire? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Je vous raccompagne pas dans la forêt s'il se balade avec ça. C'est ton pistolet, AJ. Garde-le. Mais il m'a servi à tuer Marlon. Ouais, mais tu vas en avoir besoin dehors. Ok. Laissons le gamin garder l'arme du crime. On trouvera une autre voiture? Je pense pas. La nôtre, c'était un coup de bol. Donc faut marcher. Mes chaussures vont craquer. Ben, prions pour qu'elles tiennent le coup. Mes pieds vont encore saigner. On sacrifiera un vêtement pour les bander, s'il faut. Ça pourrait être pire. Je veux dire, vous avez l'habitude. Vous devez bien vous débrouiller maintenant. C'est un peu un retour aux sources, quoi. Tellement qu'on a failli crever. Tu nous as vus après ce putain d'accident, merde. Gros mot. On y est. La route est par là. Quelque chose à dire avant qu'on vous laisse là? J'ai déjà tout dit. Merci d'avoir pris notre défense. De rien. J'aurais aimé vous garder. Je voulais pas ça. Allez, allons-y. Oui, bah 2 minutes. Tu veux? Ouais, moi aussi. Si seulement on n'avait pas merdé. C'est Marlon qui a tout gâché. Même mort, il fout encore la merde. Bordel, Violette. Laisse-le reposer en paix. Bon, prenez soin de vous. Ok? T'as toujours ton arme? Essaie de faire plus attention avec, ok? D'accord. En route, il va bientôt faire nuit. Comment tu sais? Je sais pas, je le sens, c'est tout. Comment? C'est comme un genre de chair de poule. Ça me fait la même chose avant les orages. J'ai pas ça, moi. Ça fait moins longtemps que tu es sur les routes. Clem. On va s'en sortir. Je croyais qu'on n'aurait plus jamais à fuir les méchants. Ni les monstres. Bien sûr qu'on va s'en sortir. On a l'habitude. J'aime pas être ici. Je voudrais retourner à l'école. Ouais, moi aussi. Plante-toi!
Petit, petit! On vous a vu, tous les deux! Vous croyez pouvoir vous cacher longtemps comme ça? Oh merde! Est-ce que c'est l'homme de la gare? Ouais. Celui qui faisait peur à Brody? Ouais. Reste là. T'es une dure à cuire, hein? Dégagez et on vous fera aucun mal. Pas le diable, gamin! Approche, et je fais sauter la cervelle de ta copine. Abel. Comment se retrouve l'avorton? Non! Je les ai déjà vus. De vrais fauves, ces deux-là. Ils vont te plaire. On cherche un petit jeune, chef d'une communauté dans le coin. Marlon. Il est mort. Et merde. On va faire autrement. Qu'est-ce que t'en dis? Tu nous conduis à ton école pour qu'on cause à tes amis? C'est pas comme si t'avais beaucoup le choix. C'est pas mon école. Je vis pas là-bas. C'est bizarre, mais j'ai du mal à te croire. Il y a pas 50 communautés de mioches dans le coin. Ah non! Lâchez-le! Pitié! Pas de problème, si tu fais ce qu'on te dit. Sinon, je me ferai une joie de lui éclater la tête. T'as déjà vu un fruit pourri exploser après l'avoir jeté par terre? Parce que ça fait pareil. Clémentine! Oh bah merde. Clémentine, c'est bien toi? Je m'appelle Lily. Tu te souviens sans doute pas de moi. Ça faisait un bout de temps. Lily? Je te croyais morte. Bah, ça a bien failli. Et qu'est-ce que c'est? Pas maintenant. C'est quoi ce bordel? J'ai dit, pas maintenant. Je vois pas Lee. Il est mort, donc. J'oublierai jamais. Il m'a laissé au bord de la route comme un chien. Je lui en veux pas. J'étais une menace pour le groupe après avoir tué cette fille. Carly. Si Lee t'avait abandonné, toi aussi, il serait peut-être encore en vie. Tu te feras tuer aussi, en faisant les mêmes erreurs. Ton petit, là, le protéger te coûtera la vie. Tu pourras peut-être continuer un moment comme ça, mais il finira par devenir un poids. Un rôdeur qui te surprend. Une balle que t'évites pas à temps. Un cri à l'aide qui attire la meute. Possible, mais je te buterai avant. Du cran, mais pas de cervelle. Je suis surprise de te retrouver en vie. Tuer tes ennemis n'est pas une stratégie de survie. On n'a pas le temps pour tout ça, merde. Il y a un passif entre nous. Super, tu la connais, je la connais. Mais je te rappelle qu'on a une mission. On t'aidera à élever ce garçon, Clémentine. Mais tu dois faire quelque chose pour nous. Quoi? Vous aider à voler un ou deux mioches? On n'en veut pas un ou deux. Vous venez tous. On vous ramènera au Delta parmi les nôtres. Tout est barricadé. On a des panneaux solaires et un joli petit potager. Tout ce qu'on veut, c'est que tu persuades tes amis de nous accompagner d'eux-mêmes. On leur fera aucun mal. Je m'appelle pas Marlon. Voilà ce qu'on va faire. Le chien va rester avec moi. Comme ça, ça évitera les entourloupes. Réfléchis bien, Clémentine. Dans ce monde, il faut bien choisir son camp, Clem. Si tu tiens au petit, c'est pas sur eux qu'il faut miser.